Yo 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 yo. À l'aide. Putain, porte de ses morts, je vais péter des trucs. Elle N'en fais aussi. pas. Allez, bouge-toi le Pourquoi tu cul. rates? Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive quoi là? Quoi? Je sais pas, tu cours partout. Oui, non, ça me met pas bien que Cassidy soit de retour, non, j'ai pas envie de ça. Oui, bah moi non plus, mais il va pas y avoir trop choix. Solide. Il est tout seul, il va faire quoi? Au hasard, fumer des gens. Tranquille. Actuellement, Cassidy, je l'ai vu plus faire de mal en étant seul qu'en étant accompagné, donc bon. Ah. Ah bah les 5-6 flics que je l'ai vu coucher, il était seul à chaque fois. Ah. Ça se trouve, il a changé? Non. Céline Cassidy, il a pas changé. J'essaie de... Espérons qu'il fasse pas de giga dinguerie quoi. Six, 78 et 29 qui ont pris leur service. De panique tant que ça, ou c'est juste t'es énervé ou. Non, ça me tend. C'est tout? Oui. D'accord. Ah, la boîte à gants est trop petite. T'es l'un qui va faire. Hein? La boîte à gants est trop petite pour ranger toutes mes armes. Mais... Eh ben tu sais quoi, j'ai bien fait d'acheter plus d'armes parce que au cas où, moi je vais être armé. Hein. Mais arrête de faire ça, ça me fait peur. De quoi? Je sais pas, de dire ça. Ben, c'est normal. De... Ne pas être serein maintenant que Dean Cassidy est revenu. Tant que je saurais pas pourquoi il est revenu, je serais pas serein. Tu me fais peur. C'est quoi la caisse qui est devant le PDP là? Mais c'est monsieur. 47 Ouais. 46 47 et Il y a un taxi, un gars avec un chapeau comme Schmiller. Ah c'est Miller. Putain c'est Ah pas bonsoir 46. capitaine. Eh Oh bonsoir. putain c'est pas Mais oh 46. bordel de merde. Bonsoir. 07, il vous fait penser à quoi? Ah j'ai Actuellement pas là envie tout de de suite. dire. Ah non 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 je ne prends Ouais on est Ah on est d'accord. d'accord. On est d'accord. Je veux pas au moins raser la moustache. Va raser cette moustache hein, par pitié. En entier, s'il te plaît. La perruque, elle est ok, elle est mieux que celle d'avant, mais la moustache, là, non. Par Vraiment contre, pas. vous en pensez quoi de ce bijou? C'est toi, C'est c'est à toi? quoi comme Oui. véhicule? Retourne-toi vers moi, vite Tyran. fait. C'est qui ça? Attends, j'ai un petit Ah, problème c'est une tyran! Ça tombe quand Ah, même bah vachement tiens, bien, ça reste c'est une celle-là. Celle-là, c'est une Ouais, tyran. C'est une je tyran, celle-là. Ouais, je Ouais, me bah, suis dit. ça va? Ouais, alors. Ouais, non, c'est une Avec dinguerie, ce que je vois, hein. Mais toi, t'as pas hein. envie de faire une coupe, enfin, une moumoute normale, juste pour une fois? Ah, c'est la moumoute qui te dérange là? Moi, franchement, elle me va la Bah, la moumoute. moumoute plus Non, la franchement, c'est moustache, tout quoi, qui c'est dérange là. combo. Bah, disons que juste la moustache c'était ok, juste la Et ton moumoute pantalon c'était aussi ok, d'ailleurs. mais. Oui, non, le Vas-y, crie pantalon non vite fait, plus. mon pantalon. Le Il est pantalon, il est dégueulasse. très bien. Mais il est ok, le Merci, il est très bien. L Merci. lève le bras, Oui. 07.
Non. Ouais, là, le... non. Vous avez vu les non, 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 non. Ouais, je vais aller prévenir les GI, il faut qu'on débarque en Europe. Allez, c'est parti. Mais c'est une dinguerie. Mais va en attaquer ça ailleurs. Ah, très classe le taxi d'ailleurs, monsieur Miller. J'aime beaucoup. Ouais, c'est ouais, ouf. Avec les, avec les flammes à l'avant. Et à 09 que le parking employé il est pas là. C'est vrai, oui. Non, mais c'était juste pour un peu flamber. Bah, va le dire, va dire à 09. On va le dire à 09 du coup. Va te présenter aussi. Prends pas d'accent allemand quand tu lui parles. Bonsoir. C'est vrai. Arrêtez de faire cette blague. Non mais quelle je suis désolé, mais c'est trop grave. La blague qui ressemble à... Et bonsoir. Et bonsoir. Non, mais c'est trop grave quand même. Tu veux forcer le truc? Non. Nine. Je non, pense non. qu'il y a un employé là-bas. Oh, je suis mal à l'aise. Oh, je suis mal à l'aise. Je démissionne. Je démissionne, je rentre au Texas. Je vais virer aussi. Hein. Attention, les Allemands sont de retour. On doit faire la guerre, on doit faire la guerre, on doit faire la guerre. Wow, mais putain, mais... tu m'as poussé en dehors de l'armurerie. Bah tiens, c'est pas... t'avais qu'à pas être là. Ah, maintenant, du coup, je l'imagine tout le temps. Et je pense qu'à chaque fois que tu vas parler, je vais l'imaginer si avec un accent allemand. Vas-y, si je te... Je vais te refaire un croche-pied. Non, s'il te plaît, ça faisait mal. Eh, bonsoir 09. Bonsoir. Hop. Quoi, allez, capitaine, à 20 minutes. Oui, 07. Non, rien, allez. Ça se voit qu'on est en Amérique. Hein. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Mais c'est trop long. On fait la guerre. Bah, non, je suis pas stressé, mais j'ai envie de café. Y'a rien. Mais c'est quoi cette tenue? Non, mais c'est pas la tenue le problème. Mais oui, c'est vraiment pas la tenue le problème. Hein. C'est un moustache. Surtout la moustache à coupe de cheveux. Oui. Et l'accent qu'il prend surtout. Quoi, y'a un accent en plus? Vas-y, parle. En plus, j'ai l'uniforme militaire. Enfin, policier. Mais vous savez qu'il n'y a aucun moment, il y a une ressemblance avec. On est d'accord. Si. Franchement, avec le petit moustachu, si, quand même. Mais regarde, regarde ça. Mais je t'assure que si. C'est mon max. Ouais, non, mais en même temps, si vous associez le style de l'époque au régime. Attends, Max, tu veux pas lui prêter ta tenue? Ah oui, donne-lui. Montre la tenue à quoi elle ressemble. Montre la tenue à quoi elle ressemble. Franchement, vous pouvez bien aller vous faire enculer. Hein. Bah, elle parle mieux. Mais non, mais ça va. Va voir notre tenue de cérémonie. Ah, je suis pas à l'aise. Hein. Ah, vraiment, je me. Mais non, mais c'est pour ça que regardez. Hop. Ton mec qui est purple avait raison. Hop, et voilà. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. On dirait que je suis mexicain. Là, c'est caché, tu vois. En fait, il reçoit beaucoup de trucs à la fois. Salut à ceux que j'ai pas vu. T'enlèves la casquette, il ressemble, il va ressembler à autre chose que là, là. Non mais garde cette casquette, c'est très bien. Non, 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 remets. Non, remets la casquette. Remets la casquette, les lunettes, remets tout. Casquette obligatoire quand tu es en service avec cette moutte et cette moustache. Sinon on te met à pied ou je sais pas quoi, mais là pour l'image, la police... Ah oui, non mais là c'est compliqué. C'est compliqué. Même si j'avoue, j'aimerais bien te voir avec la tenue de 30, mais ça c'est un autre débat. Ce soir, après le service, à faire des recherches de tenue. C'est un peu un sosie caché. Oui, mais non, vraiment pas. Un sosie caché. Non, mais pas en service, plus en service. Tu parles de quel sosie actuellement? Des 30 ou... Oui, oui, le sosie, ah. Oui. Ah, mais pourquoi on parle de 30 là? Oui, de 30, oui. Et 78, garde ton innocence, s'il te plaît. Ouais, quoi, bah, comment continuer à m'associer à cet enculé, hein, et puis c'est ça. Arrête de vexer. Mais non, on t'associe à l'Angleterre, ah, voyons. Tu peux aller squatter un bureau pour... La Queen Elizabeth. Pour discuter. Non. En plus, j'ai pensé à lui. Le roi Charles. J'ai pensé à lui quand j'ai fait ma carte du monde. Après, c'est carrément un dinosaure, la reine. Je peux croire qu'elle a encore envie. Oh là là. Elle est pourquoi donc? Elle a l'air plus envie que le roi. Hein. Ouais, y a moyen d'avoir des AG pour discuter d'un truc. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. 26, tu fais quoi là? Bah 29, on doit sortir. Non, ah, c'est con, 29. Non, c'est confidentiel, je sais pas. Oui, mais alors, t'es 29, tu lui as donné l'info. Il a déjà une partie de l'info, Eduardo. Mais bah, c'est bon, il a ce qu'il lui faut. Tu veux qu'il vienne ou pas? Moi, je m'en fous. Ok. Il reste dehors. J'ai bien en vrai. Oh oui, en soi, il peut venir, oui. Mais parce que si vous avez pas vu, j'aurais remonté ça dans mon confidentiel. Oui, c'est juste, ça me faisait rire. Oui. Parce qu'il est carrément venu. Il peut venir. Ouais. Ah, ok.
Potentiel problème avec 78 par rapport à la plainte qu'il a pris hier. C'est-à-dire j'ai croisé Antoine au Bénise qui m'a remonté que, bon, au-delà du fait que la prise de plainte était un peu brouillonne et qu'il a posé plusieurs fois les mêmes questions, ils ont senti qu'il... Comment dire comment il m'a sorti ça? Qu'il avait l'air saoulé et qu'il avait vite envie de se débarrasser de ça. On avait tous envie de se débarrasser de ça, mais oui. Oui, je comprends. Mais ouais. En gros, ils ont pas demandé comment. Il a pas demandé comment ils allaient. Enfin bref, il a parlé que à deux personnes, Antoine et Mademoiselle Belle. Et ils ont dû forcer pour que Maya Belle aille avec eux pour parler de la plainte. Mm-hmm. Il a pas du tout entendu les trois autres personnes. J'ai parlé à Monsieur Anderson Boller qui était plutôt. Était désagréablement surpris de la manière dont il avait été traité. J'ai pas réussi à voir les autres au téléphone. Enfin, lui, comment il parle aussi. Non, mais alors on va mettre les points sur lui. Il me l'a dit hier, 78, qu'il allait pas tous les prendre les 4 parce qu'ils ont vu la même chose. Donc ça sert à rien de prendre 4 dépositions pour avoir une déposition au final. Hein. Ah, mais moi j'aurais fait une seule déposition. Mais c'est surtout sûr qu'il y avait autre chose à foutre hein, à ce moment-là. Hein. Ils étaient tous ensemble, hein, donc. Ouais. J'ai reçu un message d'Antoine Nero aussi pareil qui me disait oui la prochaine fois il y a 78 de laisser parler tous les gens pour la déposition et pas qu'une seule personne qui est très moyenne en description by the way. Bah, ils pouvaient parler aussi. Bah oui c'est ce que ils avaient qu'à dire en fait. Si t'as des éléments à ajouter à la déposition, n'hésite pas à me les transmettre par SMS. Bah, ils ont qu'à parler, enfin je sais pas. Bah du coup en fait il a pris juste Antoine et Maya Belle dans le bureau et puis après. Ah. Il a pas du tout pris les autres pour la déposition. Non. Ah oui, ok, oui, non, ça non, ok. C'est ça qui les a embêtés. Et plus ils ont aussi dit qu'ils étaient étonnés qu'ils étaient pas hyper contents qu'il ait donné toute la somme à une personne et qu'il les laisse. Non, mais ça par contre, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est des calculs. Perso, j'aurais fait exactement pareil. Oui. Après, je veux dire, c'est pas des trucs super graves non plus, quoi. Non, c'est pas grave, mais. Calculer 2 secondes, quoi. Mais... Etiquette. Les remontées qui m'ont été faites, donc voilà. Sinon, c'est tout. Ok, bah du coup, tout ça, faudra le faire des rappels à 78. De pas avoir l'air saoulé, même s'il l'est. Ouais. Ouais. Papa. Les tests, on l'avait poussé à bout, il avait pas l'air saoulé. Oui, mais une différence entre ça et avoir 5 fois la même histoire par 5 personnes différentes pour exactement la même chose. Franchement, à sa place, je pense que j'aurais pris les 5 en même temps et j'aurais fait bon bah voilà, racontez-moi votre histoire, vous étiez ensemble et puis c'est marrant. Ah oui, bah pareil. Ah oui. Oui, une seule déposition, mais bah tout le monde est là quoi. Les, tout le monde ensemble, oui, clairement. Ouais, bon, après, bon, c'est pas. C'est pas hyper grave, mais. Oui. Je pensais que c'était ok. Non, c'est pas hyper grave. Oui, non, c'est ok. Je pensais que t'allais nous remonter une dinguerie sur Non, non, non. Mais oui, mais du coup, nous, il faut quand même qu'on contacte. Attends, c'était quoi 42, je crois, qui a mis un message sur répondeur hier en disant oui, j'ai peut-être l'identité des gens. Oui, je lui ai parlé on a parlé de ça aussi. Ah, ok. J'ai noté, il faudra que je joue. Mais en gros, il a parlé à Hector Ribeiro au Beniz. Il lui a expliqué, en gros, qu'il était pris en otage. Il lui a demandé, qui étaient les personnes. Enfin, à quoi elles ressemblaient. Il a dit qu'il se souvenait pas, mais qu'une personne aurait prononcé le nom de Ilona, ou Hiro, ou je sais pas quoi. Hirona, machin truc, ouais. Et Hector lui a demandé si c'était deux femmes avec, je sais plus quel masque. Et il a dit, ouais, ça ressemblait à ça. Et apparemment, d'après Hector Ribeiro, ça correspondrait à une certaine Elana. Ouais. J'avoue que les infos de Ribeiro, perso, je me méfie. Hein. Pareil, malheureusement. Voilà ce qui m'a été inventé. Moi, le problème, c'est que les infos de Ribeiro, je m'en méfie à moitié parce que, d'un côté, des fois, il m'a donné des bonnes infos. Et des fois, il fait des déductions tout seul dans sa tête et il me dit « Oh là là, je suis sûr d'un truc » et il me balance un truc, je suis en mode « Je connais la vérité, je sais que c'est faux. » Mais voilà, en soi, je suis choqué de le contacter vu que il pense toujours qu'on est potes. Donc je suis choqué de le contacter à peu près et de lui poser des questions en mode « Dis, j'ai entendu parler de ça. » Je sais que Antoine veut lui reparler pour compléter les infos. Ouais, si Antoine veut gérer ça de son côté, pourquoi pas. C'est ce que je lui ai dit. Je dis qu'il est pas obligé, Je t'avoue que d'un côté, je préfère si c'est moi qui vais directement poser les questions que je veux à Ribeiro. Mais oui. On connaît ses compétences à. Parce que. Ouais. C'est pas que je doute de 42, mais c'est que. Mais il a jamais mené d'enquête, en fait. Donc, ouais.
T'es 42, il estime que les membres, la liste des membres de Mistral, c'est une bonne info, quoi. Donc bon. Je. Voilà. En effet. Et voilà. Si après, s'il est OK qu'on ait contacté directement Ribeiro, moi je suis chaud. Je sais pas si c'est censé être une info. Oh là là, c'est un peu touchy qu'il en a parlé à Ribeiro. Oui, il m'a demandé à ce que ce soit confidentiel. Ouais, mais est-ce que Ribeiro est au courant qu'ils ont parlé à des fois ? On va faire ça au Beniz, bref. Ah, non, Ribeiro est pas au courant qu'il nous a remonté. Okay. Bah, en vrai, go demander à 42, il dit qu'il y a moyen de demander s'il est OK qu'il transmette l'info à Emily ou un truc comme ça, et Ribeiro dirait de toute façon oui, et voilà. Ok, bah je vais lui demander ça. Franchement, sans fait, c'est legit. Eh ben, nickel. Let's gong. Eh ben, allez, on y va. On va emmener 78 planqués ce soir, et puis c'est hyper. Let's go. Hein. Vous êtes tous sur le parking ? Je vais partir Lincoln, c'est 24. 54 en patrouille. Allez, disquette. Et les autres ? Par contre, 07 et 09, je sais pas où ils sont. 07 et 09, vous êtes où ? Je suis à l'entrée, j'essaie de passer un coup de fil. Allez, disquette, 09, t'es où ? Côté de moi. Lincoln 54, je me rends sur le dernier point de vente. Allez, disquette. Mais c'est pas du tout 09. Sans en son référent à 09. Ah oui. Comme ça, si il te dit qu'il est. Est-ce qu'il y a 19 ? Pas. Bande 17ème équipe. Ouah ! Il me rend fou. Oh, mais c'est incroyable. Pieds à terre. Lincoln 54, pardon. J'ai l'impression que tu parles, mais je t'en passe de terrible. Parle juste pas. Oui, je sais, mais tes lèvres bougent. Arrête tes chewing-gums, c'est bizarre. Du coup, 07-09, on part sur Nedam. J'ai l'impression. Oui, bah de toute façon, oui. Ah oui. Et tu sais combien c'est pour mouiller, c'est pour la même. Mais il est incroyable. Depuis quand tu tournes? J'en ai marre. Des fois ça m'arrive. T'étais au téléphone avec qui dans cette? Avec Kevin, avec 01. Il est insupportable. Ah, c'est-à-dire? J'essaye de lui soutirer le prix qu'il a payé pour une répa. Ah, j'ai l'impression qu'on parle d'argent, il me raccroche au nez. Oui. Oui, oui. Notamment pour Saïgnus qu'il allait chercher à cause de notre trou de poule dans le nord et qu'il a payé pour moteur mouillé. Mais j'arrive pas à savoir combien ça lui a coûté. Mais apparemment, il s'en rappellera toute sa vie. Et j'ai l'impression qu'il s'en rappelle toute sa vie, là. Ça sera passé dans quelques jours. Ah non, ça fait déjà plusieurs mois. Ah. Ouais. Mais bon. Okay. Tu prends 09 en patrouille ce soir, 07. Oui. Nickel. Ok. Bon bah moi aussi. Allez, on va pas y aller. Mais qui vont dans la station essence?
Bah je sais pas. Ça devrait pas être trop compliqué à taper du coup même. Normalement t'as la sortie de la ruelle. Contrôle. Je me sens pas super bien, je sais pas pourquoi. Genre t'es stressé ou t'es tendu? Non, genre j'ai mal au crâne. Ah. Non, c'est pas c'est juste physique, hein. C'est physique, on sent pas de fou. T'es retourné te coucher? Ok. Ouais, je vais me poser un peu dans la salle de pause. Ouais, ça marche. Adam 07 début de patrouille avec 07 et 09. En LSPD 07, pardon. LSPD 4. 26, je vais me poser un peu dans la salle de pause, je vais prendre un 18. Je me sens pas super bien. Discat, ouais, Discat, juste mais... fatigué. Discat, ok. Bonne soirée. Hop, elle se retrouve. Nikon 54, j'ai un flag. Et Discat. On se retrouvera. Ah, ciao.